Bonjour, bienvenue dans l'Académie d'Orléans-Tours. Je m'appelle Nathalie Boursier, je suis secrétaire générale adjointe de l'Académie d'Orléans-Tours. En réalité, j'ai pour mission d'encadrer et de coordonner plusieurs services qui travaillent au rectorat. Alors, il y a au rectorat un service de la logistique, par exemple, qui entretient les bâtiments, qui fait que les personnels du rectorat travaillent dans de bonnes conditions. Et puis, ce service a la particularité aussi d'avoir une imprimerie moderne qui nous permet de reproduire en nombre les millions d'exemplaires de sujets d'examen qui sont distribués en fin d'année à tous nos candidats. Un autre service un peu proche dans le domaine bâtimentaire, le service de l'immobilier, qui assure la maintenance et la gestion de tous les bâtiments d'État que les services académiques occupent. Ensuite, il y a dans la direction une cellule académique des archives. Cette cellule académique des archives conserve très soigneusement et très consciencieusement la mémoire des services. Un autre service important, le service des affaires juridiques. C'est un service de 12 personnes qui a des missions importantes pour la prévention du contentieux en prodiguant auprès de tous les acteurs de l'Académie des conseils juridiques. Le service des affaires juridiques contrôle aussi tous les actes qui sont élaborés dans les établissements. Contrôle pour bien vérifier que ces actes soient tout à fait conformes à la loi. Dernière mission très importante, ce service instruit les demandes faites par les personnels de l'Académie, toutes les catégories de personnel qui se sentent attaquées ou qui sont confrontées à une difficulté particulière, et l'on met en œuvre dans ce cas ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Le service de l'enseignement supérieur, le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours est aussi chancelier des universités. Les établissements d'enseignement supérieur ont leur autonomie, mais le recteur se doit de veiller, là aussi, à ce que les décisions prises au sein des universités soient parfaitement conformes à la loi et à la réglementation. Et puis, je terminerai par un service plus important, 60 personnes qui travaillent pour accompagner 100 000 candidats aux examens et 10 000 candidats au concours de recrutement. La division des examens et concours qui fait en sorte d'accompagner depuis l'inscription jusqu'à la diplomation. Donc voilà, au total, cette direction comprend 120 personnes, 120 personnes qui donc œuvrent chacun dans leur domaine pour accompagner les acteurs de l'Académie, pour vous accompagner, en fait, vous qui arrivez dans cette Académie.